Salut chers amis, bienvenue dans votre émission Le Ranka, une émission diffusée hebdomadaire sur votre chaîne MyFrica TV sur YouTube. Votre émission Ranka, c'est le rendez-vous avec les PME, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques et les personnes qui font dans les différents secteurs. Sachez qu'il est diffusé chaque jeudi à partir de 9h. Et pour ça, je vous invite à inviter également vos amis à s'abonner naturellement sur MyFrica TV. Vous savez, nous sommes depuis quelque temps en défi de confinement. Et il est question de faire un tour dans la ville de Douala pour savoir comment est-ce que se portent les portefeuilles de nos différents chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils parviennent naturellement à tirer les profits comme par le passé? C'est ce qu'on doit voir dans un court instant. Alors, nous sommes bien sûr dans notre parfumerie chez M. Gibet. Question de prendre ses impressions concernant l'arrivée de coronavirus au Cameroun. M. Gibet, bonjour. Merci, bonjour monsieur. Vous allez super bien? Très bien. Ok. Dites-nous, depuis l'avènement de coronavirus, est-ce que vous parvenez à faire des chiffres comme par le passé? Bon, sinon, pour le moment, avec l'arrivée du virus au Cameroun, tous les commerçants en souffrent parce que le gouvernement a demandé que pour bien éviter la maladie, il faut que n'importe qui reste chez soi. N'importe qui reste chez soi, voilà, oui. On comprend le confinement. Oui. Avant l'arrivée du coronavirus, est-ce que vous connaissiez déjà le mot confinement? Non, nous, on ne connaissait pas ça. Vous ne connaissez pas confinement? Oui. Et si on vous demandait de définir confinement à votre façon, vous allez dire que c'est quoi, par exemple? Bon... C'est le mot confinement, c'est juste une maladie qui est venue envahir le dehors. Mmh. Et les spécialistes ont trouvé que pour mieux éviter ces maladies, ouais, il faut que n'importe qui reste chez soi. Voilà, confinement, ça veut dire rester chez soi. Oui, rester chez soi. Maintenant, Monsieur Gibet, il y a de cela quelques jours, on a dit déconfinement partiel. On a dit par exemple ouverture des snars, ouverture des bars. Est-ce que avec ce déconfinement partiel, vous parvenez déjà à récupérer certains de vos clients qui vous manquaient déjà? Oui, bien sûr. Avec le déconfinement, tous les commerçants pour le moment sont en train de sourire un peu. Mm-hmm. Puisque la clientèle revient petit à petit. Mm-hmm. Oui, puisque c'est quand on sort de la maison qu'on peut essayer de rejoindre les deux bouts. Naturellement. Oui. Ça veut dire que vous pouvez déjà, même si on dit aujourd'hui d'envoyer vos enfants à l'école, vous pouvez déjà le faire si on demande aujourd'hui d'envoyer les enfants à l'école. Bon, envoyer les enfants à l'école, c'est trop dit. Ça dépendra du gouvernement. Mmh. Si le gouvernement prend des mesures, s'il prend vraiment des mesures pour éviter la maladie, mmh, on peut accepter de les envoyer à l'école. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer les enfants à l'école, mmh, et les enfants partent à l'école pour porter la maladie et rentrer à la maison contaminer tous les autres. Donc il faut que le gouvernement se rassure que non, les mesures sont vraiment énormes. Oui, avant de demander maintenant que les enfants sortent de la maison. Là, c'est votre jugement à vous. Dites-moi un peu, est-ce qu'on était déjà prêt pour le déconfinement en question? Est-ce qu'on était vraiment prêt? Non, moi, je ne peux pas vous répondre. C'est le gouvernement qui sait le pourquoi. Lui, il a demandé tout ça. Puisque tous les jours, les cas ne font que se multiplier. Tout à fait. Je vais dire, l'État, c'est toi et moi. Oui, mais l'État... Toi, en tant que citoyenne, est-ce que tu penses, vivant la situation, est-ce qu'on est déjà prêt pour le déconfinement? Non. Mm-hmm. Non. Donc, tu n'es pas vraiment prêt pour le déconfinement? Non, on n'était pas encore prêt pour le déconfinement, voilà, puisque les cas ne font que se multiplier de jour en jour. Oui, est-ce que... quelles sont les appréciations? S'il fallait qu'on note 20 suivants, quelle note est-ce que vous pourriez attribuer à l'État concernant la lutte contre le coronavirus? Bon, si c'est pour la note, moi, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Oui. Est-ce que vous avez du moins reçu un truc venant de l'État pour lutter contre le coronavirus? Je vais dire un truc palpable, en dehors des conseils qui ont été édités.
Bon, pour le moment, tout le monde essaye de suivre que les conseils de l'État. La question est la suivante. Oh. Est-ce que vous avez déjà reçu un paquet venu de l'État, par exemple un cache-nez, pour dire l'État camerounais a décidé de donner un cache-nez, par exemple, voici le mien, moi j'ai reçu le mien. Est-ce que vous avez reçu un morceau de savon? Est-ce que vous avez reçu des seaux? On veut savoir ça, c'est important. Non, je n'ai rien reçu. Vous voyez, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez que, par exemple, dans les pays voisins, tout le monde se sent à l'aise, par exemple. Il y a des pays où on reste à la maison, la police passe de sous à manger. Il y a des pays où on donne des bons alimentaires aux populations. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que citoyen du monde, citoyen camerounais? Bon, les choses comme ça, ça nous dérange parce que les trucs comme ça ne se passent pas dans notre pays. Alors que nous voyons ailleurs comment l'État est en train de s'occuper de sa population. Les gens restent à la maison, on passe au moins, on distribue la nourriture aux gens, alors qu'au Cameroun, tel n'est pas le cas. Justement, nous allons passer à autre chose très intéressante, puisqu'il y a tellement de jeunes personnes qui nous écoutent et ils sont fiers de voir M. Gibet derrière son comptoir. Ils sont fiers de voir également que les rayons sont bien achalandés. Ils auraient aussi besoin de quelques conseils pour demain devenir comme M. Gibet ou encore plus que M. Gibet. Quel est votre secret? Quel est le secret de votre succès dans ce domaine? Tout ce que je peux vous dire, la vraie magie, c'est le travail. Si tu dors, ta vie dort. Tu dors, ta vie dort. Oui. Allons un peu pas à pas. Tu dors, ta vie dort. La vraie magie, c'est le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir 2000 francs, aller consommer la bière de 1500? On aimerait savoir. On peut travailler. Il y a des personnes qui travaillent très bien, qui parviennent à avoir de l'argent, de sommes intéressantes, mais qui passent les nuits plutôt dans les snacks. Là, ce n'est pas aussi dormi. Ils ont quand même travaillé. Dites-nous, on fait comment pour devenir demain comme Monsieur Gibet? That's the real question. Mon frère, moi je vais vous dire que la vie c'est le plan. Aller au bar boire 10 000 ne veut pas dire que c'est les 10 000 francs qu'on a gagnés par jour. On boit quand même avec la tête. Tout à fait. Et c'est lui qui veut boire parce qu'il voit les autres boire, tant mieux pour lui. Voilà donc. Donc ça voudrait dire que s'il fallait que je commence dans la parfumerie, je vais aller au marché peut-être avec 1 million ou 2 millions en un seul coup. On peut commencer à partir de combien par exemple? Mon frère. Sentez-vous à l'aise, hein? C'est l'émission. Oui, le capital d'un commerçant n'est jamais petit. N'importe qui commence avec son peu comme il se sent. Oui, dit que commencer avec un gros capital, ça ne veut rien, ça ne veut rien dire. Oui. Bon, Monsieur Gibet. Et chez vous, nous sommes déjà très contents parce qu'à l'entrée, on a déjà de l'eau et du savon. Ça voudrait dire qu'à votre niveau, vous vous battez pour lutter contre le coronavirus. Ça veut dire que les clients qui entrent ici sont vraiment en sécurité. Monsieur Gibet, à côté de l'eau et savon, il y a aussi quoi? Je vois quelque chose comme du gel là. C'est important de prendre cela et présenter afin que chacun voie. Là, c'est pour quoi? On est quand même chez vous, on ne peut pas. Peut-être ça va être la glycérine. Non, ça c'est du gel hydroalcoolique. Quand un client arrive à l'entrée de la porte, il lave d'abord ses mains avec de l'eau coulante. Quand il entre maintenant, il prend le gel, il l'utilise. C'est tout. Non, c'est important de le rappeler parce que j'ai vu sur les vidéos dans lesquelles il y a des personnes qui prenaient ces médicaments dans la bouche comme des Colgate. Donc on met sur la main, c'est ça? Oui, on met sur la main. Alcoolique, je vous sais, Monsieur Gibet. Oui. Nous sommes de Monsieur Gibet. En fait, ça, ce sont les mesures barrières. Bon, à côté de ce qu'on a édité, vous avez quelles autres mesures que vous avez aussi pris chez vous-même, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous avez pris pour que les enfants soient à l'abri de cette affaire de coronavirus? Parce qu'on sait, vous et moi, qu'il y a des parents qui, malgré le confinement, envoient les enfants vendre le bobolo dans la rue, vendre le mitacola, vendre cola, vendre les arachides. Je ne vous apprends rien. Dans notre quartier ou notre ville.
Oui, non, même à la maison, je prends les mêmes mesures que le gouvernement est en train de donner. Mm-hmm. À l'entrée de chez moi, j'ai déposé un seau d'eau et à l'intérieur de la maison, j'ai déposé les gels hydroalcooliques. Mm-hmm. Même quand c'est le voisin qui arrive chez moi, lui, il se lave d'abord les mains. Quand il est à l'intérieur de la maison, il utilise d'abord les gels. Mm-hmm. Oui, et mes enfants aussi, je les ai offert à chaque enfant une bouteille de gel. Il met dans sa poche pour ma chienne. Mm-hmm. Oui. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population camerounaise, surtout à ces personnes qui envoient les enfants dans la rue, faire du commerce pendant ces périodes de confinement, pendant ces périodes de lutte contre le coronavirus? Oui, je conseille à tous les parents qui envoient leurs enfants dans la rue d'aller faire le commerce, de marcher toujours avec leur gel hydroalcoolique. Oui. Et au gouvernement camerounais? De continuer toujours à prendre des mesures. Les mesures sont suffisantes selon vous? Oui, oui, non, les mesures du gouvernement sont suffisantes. Oui. Donc ça veut dire que on a rien à envier chez les autres en tant que Camerounais? Non. Le gouvernement est en train de faire ce que lui, il peut. Voilà, oui. On se met à l'aise avec. Ok, voilà. Monsieur Gilbert, ça fait un très grand plaisir de vous avoir ici. Dans notre émission, vous savez naturellement que c'est l'émission Rancard sur MyAfrica TV. Il faut inviter tous les amis à se connecter, même les gens du village. Un mot en patois, c'est important. C'est la culture qui prime aussi. Dites un mot à vos gens du village concernant le coronavirus, parce que c'est important de sensibiliser, c'est important qu'on aille au village, qu'on trouve tout le monde en très bonne santé. Allons-y, on parle aux gens de notre village. Ngunga, c'est ça? C'est Ngunga? Non, je parle maintenant à Bato. Ok, allez-y, oui, sensibilisez un peu. Ok, bon, il m'a conseillé, mes frères Pangon, il m'a dit qu'il faut suivre mes gouvernements à Sénégal. Donc, on travaille, on va attendre ta son Sénégal, 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 sans oublier son masque ou son cache-nez. Mm-hmm. Oui. Merci Mbo. Ok, merci M. Gilbert, merci d'avoir accepté que nous venions chez vous pour cette interview. Bon sud à vous et que Dieu permette à ce que vous regagniez, vous récupériez vos clients okay. Après le coronavirus. Ok, non, merci monsieur. Merci. Monsieur Gilbert, merci de nous avoir fait chaud. Oui, merci monsieur. Oui, je suis vraiment très fier de l'émission que vous aviez eu le temps de venir chez moi, m'interviewer pour ça. Mm-hmm. Bon, et tout ce que je peux dire maintenant, c'est de continuer seulement à sensibiliser les Camerounais, oui, sur le lavage des mains et de marcher avec le gel hydroalcoolique. Okay. Merci, ensemble. Ok, merci. À très bientôt. Ok, et bonne journée pour vous. Ah, merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de notre émission, le Rancard. C'était un rendez-vous avec Monsieur Gilbert. Nous avons pu récolter de ses impressions. Rappelons que nous avons derrière la caméra centrale Ferry Teke. Nous avons les réalisations de Monsieur Laurent Eboué. À très bientôt sur la chaîne YouTube MyAfrica TV. On est ensemble. Ciao.